salut YouTube, c'est Rooster, nouvelle vidéo de Dead by Daylight Killer avec Laserface, un build bien basé sur la vitesse de déplacement en tronçonneuse. C'est parti. On va prendre les piles incluses donc du brave gars qui fait que dans un rayon de 12 mètres d'un générateur complété, vous avez 5% de rapidité. Le bonus donc de vitesse de déplacement perdure 5 secondes après que vous avez quitté la zone et cette compétence se désactive en endgame. Je rappelle, la rapidité augmente la vitesse de déplacement de votre killer. On va prendre des boussoles et du clown qui fait que votre vitesse lors d'un saut d'obstacle est 15% plus rapide. Lorsque vous allez donc sauter par-dessus un obstacle, l'entité va bloquer le lieu pendant 16 secondes, un seul lieu à la fois. Ça n'affecte pas les palettes. On va prendre Noed, donc le sort personne n'échappe à la mort. Une fois donc que les portes de sortie donc, sont alimentées, s'il reste un totem passif sur la carte, ce sort s'y applique. Les survivants donc subissent l'effet de statue à découvert. Votre vitesse de mouvement est augmentée de 4%. Et donc que l'effet du sort est révélé aux survivants, l'aura donc du totem est révélé dans un rayon de 4 mètres tout d'abord, et ensuite ce rayon augmente progressivement pendant les 30 secondes suivantes jusqu'à 24 mètres. Et bien évidemment, le sort persiste tant que le totem est présent. Je rappelle, les survivants à découvert seront abattus par vos attaques de base, même s'ils ne sont pas blessés. Enfin, vous allez prendre l'intervention impure de l'épidémie, qui fait que les 3 générateurs les plus éloignés de vous sont bloqués par l'entité pendant 2 minutes en début de game. Pendant ce temps, les survivants ne peuvent pas les réparer, les générateurs affectés donc, sont entourés d'une aura blanche, et cette compétence se désactive quand un survivant se retrouve en état critique. En add-on, j'avais pris la poire d'amorçage qui va réduire de 1 seconde le temps de charge de la tronçonneuse et les marques de la bête qui vont augmenter de 3% la vitesse donc de mouvement de balayage à la tronçonneuse et qui va augmenter de 14% le temps requis pour charger celle-ci. Alors déjà avec les deux add-ons, vous allez donc essayer de charger au maximum le plus rapidement possible votre tronçonneuse. Grâce à ça, vous allez prendre la poire d'amorçage qui va un peu eh bien, nullifier le malus donc de 14% de temps requis pour charger celle-ci. Vous allez vous déplacer beaucoup plus rapidement lorsque vous utilisez votre tronçonneuse. Et si jamais vous êtes dans une zone où bien des générateurs ont été complétés, vous aurez le bonus de 5% de rapidité supplémentaire grâce aux piles. Ce qui fait que vous pourrez vraiment surprendre les survivants donc s'ils n'ont pas de fenêtre ou de palette à proximité. Vous allez avoir le déboussolé qui va vous permettre eh bien, de mettre pas mal de pression au niveau des loupes à fenêtres, puisque je rappelle la grande faiblesse donc, des tueurs à tronçonneuse, ce sont les fenêtres. Si jamais le suivant n'a pas une palette ou bien une autre fenêtre pour se protéger, ce sera quasiment un down gratuit. Si jamais il se dirige vers un casier, n'hésitez pas à faire tronçonneuse, il va rentrer dedans et vous allez pouvoir tout simplement le grab à l'intérieur. Le Noed va vous permettre de mettre de la pression en fin de game si jamais eh bien, vous étiez en difficulté pendant celle-ci. Et l'intervention impure va vous permettre tout simplement de préparer votre milieu et fin de game. Je rappelle, énormément de survivants face à Booba vont essayer de pré-drop un maximum donc, de palettes pour pouvoir eh bien, mettre de la distance entre vous et eux, puisqu'ils savent que la plupart d'entre nous, eh bien, essayons de les down immédiatement avec eh bien, la tronçonneuse. Cependant, ne vous laissez pas non plus aspirer. N'hésitez pas à mettre aussi des coups de marteau, hein, puisqu'il vaut mieux blesser un survivant et ensuite le mettre en état critique avec 2 coups de marteau plutôt que de perdre votre temps à essayer de commit toute la game en tronçonneuse. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay. Ça se passe sur le site de Toba. Si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu de la cloche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi. Amusez-vous bien sur DBD et bonne chasse à tous. Ah, mais par contre, la map de... ça fait longtemps que j'ai pas joué sur cette map. Waouh! Genre, à un moment donné, on jouait tout le temps sur cette map. Et en plus, je l'ai vu disparaître et franchement, elle m'avait pas manqué. Hein. J'étais bien, moi, sans elle. Hein. Du coup, c'est un peu dommage. Hein. Ça m'avait vraiment pas manqué, cette map. Ok, j'ai vu quelqu'un là-bas. Je crois que j'ai vu la UI. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, bah, c'est celle... Ok, on a UI là. Ok, j'en ai vu un autre là-bas. J'ai vu Gabriel là-bas. Ici, il y a Gabriel. Mais ouais, je vois rien. Map 2. Ah bah voilà, il est là. Ah ouais, d'accord, ok, je vois le genre. Hein. Sur vous, normal que tu vois pas cette map. Bah ouais, ouais, mais au moins je m'amuse sur vous, tu vois. Au moins je m'amuse un peu sur vous. Là, clairement, affronter des QTE boy, soupçon un peu pas forcément très légit de speed boost de la part de Surv, des maps de teubé et j'en passe. Ok, on a déboussolé. Et ouais. Et on a perdu un gène. Na, 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 na.
elle avait. Ok, la Yui, elle a joueur arrière. Va falloir que je fasse attention quand je veux pique. Mais la Yui, elle a joueur arrière. Ok, parfait. Là, j'ai mon bonus de vitesse. Parce que c'est ce gène-là qui a été complété, du coup. Juste retourner un peu dans la zone, voilà. Mais ouais. Le fake conso. Il me gêne. Ok. Ah ouais d'accord, ok, ouais, je vois le genre. Oui, ok, d'accord. Tu veux troll avec ton truc, j'ai bien compris. Son joueur arrière de merde. Ouais, mais en fait, ils ont tous le timing, en fait, tu vois. Je joue contre des pros, tu vois, genre... ils ont tous les... Mon Dieu, quoi. Mon Dieu, mon Dieu. L'autre elle a joué arrière, donc je sais qu'elle est, elle va être là et elle va venir, elle va flash. C'est quasiment sûr, je sais qu'elle est là. Avec son joueur arrière de teuteux là. Mais toi mais... Ouais d'accord, ok. Je crois que t'as pas compris la vie toi en fait. Je crois que t'as vraiment pas compris la vie. Oui, elle a atterrissage équilibré. Ok. On va faire ça. C'est dommage, hein? Là du coup ta pote elle est partie sauver l'autre.
Et c'est son reset souk. Ok. Ok, on l'a vu. Mais pourquoi il arrête sa tronçon? Vas-y mon golo. Aïe aïe aïe, je te jure. Oui, bien joué. Oui, d'accord. Mais c'est une plaisanterie. Oh, oh, oh la dingue, je les brain et je me prends ça quoi. Ok, il est là le. Bon, allez, on va aller sur lui. Il a l'air motivé. Ok, t'es mort. C'est une dinguerie, la perque de Chucky, là, les piles, avec Booba. C'est... c'est trop drôle. Ok, on a vu là-bas Mademoiselle Kimura. Ah, tu veux venir à la chac, hein, c'est ça. Hein. On va bien jouer. Elle a pas l'air mauvaise, la Yui. Elle est pas mauvaise. Je vais la lâcher parce qu'à mon avis ils vont aller directement bourrer le gène. Même pas, intéressant. Ils ont même pas été sur le gène. Ok. Ah salut, oui ça va ou quoi? Elle m'emmène loin des gènes, elle. Ah ouais, à ce point-là, Ken. Alors, elle était partie par là-bas. Ok, donc ça veut dire qu'ils sont tous là-bas. Très bien. On va péter ça. J'ai vu la Michaela, du coup, qui est partie sur la droite. Mais hey, je suis Miro, j'ai des problèmes de vision ou ça se passe comment en fait là? Ouais, putain, je vois rien, c'est une dinguerie quoi. C'était tous là et
Map de mort là, putain, on voit rien sur cette map. Hein. Voilà, ok, d'accord, il y a la UI qui est là. Pas forcément la UI que je veux, moi, mais bon. Ok, les deux sont là. Allez, c'est parti, on va aller du coup sur... Bon, on va aller sur elle, en fait, hein. Parfait. Ok, elle est morte. On sait que le Gabriel il va être là-bas du coup. Normalement. Ou alors il en a profité pour aller main. Ok, il y avait. Voilà, il en avait profité pour aller main du coup. Sachant qu'il n'y a plus de palette par là, mon ref. Ah bah t'es mort, hein. Ok, du coup, là, on va aller là. Et là, on va sur elle. Ok, elle a été dans l'autre sens, bien joué. Et pourquoi il s'arrête? Non, je l'ai... Voilà. Allez, GG. Allez, où? Et l'autre, il était mort là, là. Voilà. Salut mon ref. Oh les 4%. Elle te tape son meilleur 4%, GG. C'est beau. En vrai c'est mérité pour le coup, parce que elle c'est la moins... C'était la meilleure des 4. Donc en soi c'est mérité son 4%. Après où est-ce qu'elle va aller, ça autre chose, mais... Nice. GG à eux.